Eh bien, bienvenue, bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles numéro 4, quatrième édition cette année. J'ai la joie d'accueillir le docteur Christian Bourri. Bonjour Christian. Bonjour Marissa, un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un scientifique, une personne en tout cas qui a un parcours ben de puisque vous étiez donc ce que j'ai vu dentiste holistique, hein, Oui, c'est bien ça? ça fait une approche holistique de travailler dans l'esprit de médecine énergétique. Et Le monde maintenant des et énergies m'a toujours passionné depuis très très longtemps. J'ai eu la chance de découvrir ça très jeune. L'autre jour, vous me demandiez mon don. Non, je n'ai pas de don, au sens précis du terme. Ça serait prétentieux de dire ça. Mais par contre, j'ai eu une chance. C'est que j'ai découvert très jeune le pouvoir de la pensée. Que la pensée était créatrice, que nous sommes les créateurs de notre réalité. Et après, bon, tout ça s'est croisé parfaitement avec l'approche quantique qui démontre qu'à chaque instant, on crée notre réalité. Déjà, chacun peut le remarquer facilement au niveau de l'approche du temps. Le temps passe beaucoup plus vite quand on s'amuse que quand on fait quelque chose qui nous ennuie. Donc, et puis après, bon, j'ai un petit peu développé une capacité à ressentir les énergies. Enfin, le fondement de ma pensée, c'est ce que je trouve passionnant, c'est que l'univers répond à notre manière de penser. En fait, l'invisible précède le visible. Souvent, on dit, ou on entend dire, je le savais. Mais qu'est-ce que ça signifie de dire je le savais? Ben, c'est que l'histoire, elle a commencé dans l'invisible. Et en fin de compte, si on regarde, si on réfléchit, tout commence dans l'invisible, quoi. Donc, si on veut avoir une approche quantique, si on décompose tout ce qui nous entoure, on s'apercevrait très vite, si on avait un microscope électronique, au fur et à mesure du grossissement, on se retrouverait dans un magma d'énergie au niveau des quantas, c'est-à-dire c'est le niveau le plus petit indivisible de la matière, c'est là où matière et énergie sont interchangeables. Donc, les physiciens appellent ça la soupe quantique, le mot n'est pas très joli. Et donc, en réalité, de cette soupe quantique, après, tout émerge. Et qu'est-ce qui fait que les choses émergent? C'est quand on donne notre attention aux choses. Alors, d'une certaine manière, il y a toujours plusieurs mondes parallèles. Il y a une version de nous-mêmes idéale, en quelque sorte. Tous nos désirs, quelque part, sont déjà réalisés. Donc, à nous de les rejoindre, mais pour cela, il faut être dans la bonne vibration. C'est comme si on veut capter une radio, eh bien, 106,7, c'est pas 106,8. Donc, qu'est-ce qui fait après qu'on va se mettre dans plus ou moins bonne vibration? Eh bien, c'est la faculté de développer une énergie en accord avec nos désirs, si vous voulez. Beaucoup de gens sont très illogiques. Beaucoup de gens, par exemple, parlent toujours de leurs problèmes d'argent ou de leurs problèmes de santé et s'attendent en même temps à ce que ça s'arrange. C'est du plus grand illogisme. Donc, il faut déjà créer mentalement en soi ce que l'on veut vivre. Alors, il y a eu quelque chose qui est vraiment lié à cette notion d'énergie et qui est très à la mode actuellement, c'est la loi d'attraction. Seulement, cette loi d'attraction, elle demande vraiment d'être regardée avec recul, parce que souvent, elle est approchée d'une façon un petit peu simpliste. Bon, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi d'attraction? Que tout ce à quoi on donne notre attention, en fait, quand on donne notre attention, on donne notre énergie en même temps, tout ce à quoi on donne notre énergie prend plus d'importance dans notre vie. Alors, il y a eu ce fameux livre, Le Secret, ou avec ce fameux chèque de l'univers, je pense que beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo savent ce que c'est. Donc, c'est un chèque établi par la Banque de l'univers. On écrit un chiffre avec le nombre de zéros que l'on souhaite derrière.
Est-ce qu'il s'est passé, il y a eu dans ce bouquin Le Secret, quand il est sorti, qui était quand même pas mal fait, pour reconnaître, mais ils ont eu un coup de chance extraordinaire à la sortie du livre, dans ce livre qui proposait ce fameux chèque, c'est qu'un jeune couple au Canada, nous on appelle ça en France le loto, ben c'est le jackpot, a touché le jackpot, parce qu'ils avaient affiché le chèque sur leur frigidaire, et tous les jours ils regardaient. Donc, après, sur ce, ça a été hyper médiatisé, comme ça vient de faire les anglo-saxons. Alors, beaucoup de gens ont acheté le bouquin pour avoir ce fameux chèque. Mais en réalité, tous ceux qui ont acheté le bouquin n'ont pas gagné le jackpot. Et ce que l'histoire ne dit pas, c'est si même ces jeunes gens, c'est pas ce que je leur souhaite, mais ont-ils gardé cet argent? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est le subconscient qui mène la danse. Si quelque part ils avaient la croyance que cet argent ne le méritait pas, ou quelque autre croyance négative par rapport à l'argent, ils se seront attirés des escrocs, soit ils auront eu des comportements incohérents par rapport à l'argent. C'est ce qui fait qu'on le sait très bien. Maintenant, en France, il y a une cellule qui a été créée, psychologique, pour accompagner les gagnants du loto, parce qu'il est prouvé que 80% après, quelques années après, sont fauchés, sinon plus qu'ils n'étaient avant. Donc, ça, c'est une des grandes illusions de la loi d'attraction. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si dans une maison, quand on va reconstruire une maison, s'il y a une installation du 110, on ne peut pas tout d'un coup allumer partout, mais passer en 220, il faut reconstruire les lignes électriques. Et les lignes électriques, c'est un travail sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos croyances. Donc, ça, c'est absolument essentiel. Et il y a un autre piège dans cette loi d'attraction sur lequel je veux insister. C'est, je ne sais pas si vous savez, Narissa, ce que c'est un balancier de Newton. Non, ça C'est ne... pas, à une époque, on envoyait ça, dans les années 80-90, il y avait beaucoup de magasins de gadgets et on en trouvait facilement. Ce sont des billes, ce sont des fils avec des billes suspendues. Ah oui. Et donc, le principe, c'est donc quand, si on envoie la première impulsion, si on lâche une bille, on retrouve l'impulsion en symétrie à l'extrémité du jeu de boules. Le problème, c'est que souvent, on se retrouve avec la loi de l'effort inversé. Parce que si on lance la première boule beaucoup trop fort, qu'est-ce qui se passe? Tout le jeu est désorganisé. La boule, les fils passent au-dessus du support et enfin, plus rien ne marche. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre cette loi d'attraction, mais il faut pas la vivre dans la lutte. Et faire de sa vie un jeu quantique, justement, c'est de comprendre l'inutilité de la lutte. Les choses arrivent beaucoup plus facilement quand on n'est pas dans la lutte. Si par exemple, vous croisez une personne dans la rue, tout d'un coup, vous dites, ah, je me souviens pas du nom de cette personne. Vous luttez, vous luttez, vous voulez lui dire bonjour, vous êtes là. Le nom ne revient pas. C'est 2 jours après, quand ça n'a plus aucune importance, tout d'un coup, que vous vous dites, tiens, c'était Madame Intel. Et en fin de compte, les choses fonctionnent comme ça. Donc, il faut pas être dans la lutte, mais il faut être dans l'ouverture. Et c'est vraiment ça, cette compréhension qui, pour moi, est essentielle. Il y en a une autre aussi qui est essentielle, c'est de comprendre qu'en fin de compte, notre cerveau ne peut voir que ce qu'il est prêt à voir. Donc, les scientifiques nous disent, en réalité, on reçoit en permanence des milliards de bits d'informations et qu'on ne peut en traiter que 2000. Alors, pour donner une échelle, ça fait une balle de golf sur un terrain de foot. Donc, ça, il faut être très conscient de ça. C'est pour ça que chacun voit vraiment le monde à sa manière. Par exemple, une jeune femme qui vient d'apprendre qu'elle va avoir un bébé, quand elle va ressortir de chez le médecin, elle va faire attention aux poussettes, au landau qu'elle va croiser dans la rue, qu'elle n'avait jamais regardé avant. Et tout est comme ça. Donc c'est très très important. Donc quand on sait qu'on ne voit que ce qu'on est prêt à voir, donc c'est tout l'intérêt d'élargir notre champ de conscience et de se créer des références dans la joie. Beaucoup de gens n'ont que des repères dans la négativité. C'est ce qu'essentiellement d'ailleurs proposent, et c'est bien dommage, les médias. Donc à nous de nous protéger et
de choisir, de viser le meilleur. C'est vraiment le sujet actuel hein, de ce qu'on est en train de vivre dans le monde. C'est puisque l'on sait que l'on est ce qu'on que l'on on crée notre réalité, c'est à partir d'où on le crée. Et comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est l'illusion de continuer à penser, à se nourrir de négatif, à penser négatif, à émaner négatif et peur, etc. Et d'attendre une amélioration. En fait, c'est une voilà. Le plus grand virus à redouter, c'est celui de la peur. Ça, c'est quelque chose que tant de gens cultivent au quotidien. Et justement, pour nos auditeurs qui sont dans une autre approche, qui ont envie vraiment de créer leur propre réalité, une réalité bien plus joyeuse, connectée à de la nature, à qui on est, à ce qu'on a envie de faire, vous allez intervenir dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles, donc sur votre conférence. Votre conférence, faites de votre vie un jeu quantique. Est-ce que vous pouvez nous en dire, évidemment pas toute la conférence, mais qu'est-ce que vous allez Non, mais c'est justement d'inviter le plus grand nombre à comprendre que l'univers ne demande qu'à devenir le complice de nos désirs. La seule chose, la dernière des choses à faire, c'est d'être dans la lutte. Donc, il faut être vraiment dans le lâcher-prise quelque part. Et le lâcher-prise, qu'est-ce que ça veut dire? En fin de compte, d'une certaine manière, le vrai lâcher-prise, c'est de passer la main à plus grand que soi. Donc, il faut partir du principe que l'univers est prêt à nous envoyer le meilleur, et donc, il faut lui laisser le champ libre. Donc, pour ça, il faut travailler sur nos peurs, nos doutes, si on en a. Et après, une fois qu'on a fait un nettoyage, entre guillemets, justement, après, on peut, il y a des techniques pour apprendre à conditionner notre cerveau, ça j'en parlerai. Donc vraiment pour montrer le chemin à l'univers, quelque part, s'il en a besoin. Il n'en a pas vraiment besoin, parce qu'il a mille fois plus de possibilités que nous. Mais enfin, lui donner un petit clin d'œil pour l'inviter à agir dans le sens de nos désirs. Et pour le mot de la fin, donc on a vraiment hâte de vous retrouver dans cette conférence. Qu'est-ce que vous aimeriez voir émerger dans le monde? Vous, quelle est votre, on va dire, votre vision idéale du monde? Je pense que il faut absolument sortir de cette idée qu'on est dans un monde de limitation. On nous parle toujours du manque d'eau, de pétrole. Tout est abordé en termes de manque. Et en réalité, si on s'y observait le monde, la nature nous donne sans arrêt des exemples d'abondance. Allez sur une plage, vous n'arriverez jamais à compter les grains de sable. Au printemps, au mois de juin, vous n'arriverez jamais à compter les fleurs sur les bords des routes. Donc, en réalité, la nature nous invite sans arrêt à changer notre regard. Si on sait le voir. Donc, ça peut être un tout petit changement au départ, mais je pense que dans la vie, il y a la notion de destin qui existe, si vous voulez, et la notion de vie. Alors, je crois que quelque part, c'est un des sujets où je n'ai pas réfléchi, il y a des choses qui sont écrites à l'encre de Chine. Il y a des lignes qui sont tracées à l'encre de Chine. Mais la grande majorité sont tracées au crayon de papier. Et là, nous avons un immense pouvoir. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les petits changements font les grandes différences. Quand on commence à penser un petit peu différemment, ça oriente un petit peu le gouvernail, légèrement à droite ou à gauche, mais ça, après, ça nous propulse, ça peut nous propulser vraiment vers nos plus belles possibilités. C'est passionnant. Bien, merci infiniment. Si vous voulez, merci. Si vous voulez voir la vie autrement, comprendre la vie et créer d'autres réalités, votre propre réalité qui vous va bien, eh bien rejoignez-nous dans la conférence et nous retrouvons avec le docteur Christian Bory très bientôt.